Los tres, coño. Passion Fodder, Passion Fodder, Theo, it's for you. Hello. This microphone. Donc je fais le ménage. Hein. Alain Maneval est plus beau que moi. Non. Je suis homme de ménage Vous sur TV6. Vous le savez déjà. Je suis homme de ménage sur TV6, la plus jeune des TV, ça me fait assez plaisir. Théo, alors moi je suis client de ce que tu fais depuis très longtemps, puisque j'étais déjà client à l'époque d'Orchestre Rouge. Tu es un travailleur immigré. C'est juste. Puisque tu es arrivé des États-Unis il y a quelques années. C'est juste un petit tam-tam pour Charles Pasqua. All right. Et tu as choisi la France comme terre d'exil puisque tu es avec nous. Bon, en plus de faire de la musique, tu écris dans certains journaux. Je me suis fait coincer ici par Orchestre Rouge et ensuite par Passion Fodder, c'est juste.
Dis donc, il y a un numéro très bizarre là. C'est la première fois de ma vie que je vois un groupe où le batteur joue de la batterie sans baguette. Mais nous ne sommes pas en train de jouer quoi qu'il se soit. Nous sommes en train de faire semblant de jouer parce que nous sommes là pour vendre des disques. C'est vrai? Non, oui. Uniquement ça. Et Alain Maneval est suffisamment gentil pour nous inviter, pour nous permettre de mieux faire connaître notre cause. C'est-à-dire un double album avec 15 titres. Oui, ça c'est une folie parce qu'aujourd'hui où tout le monde sort des 45 tours, vous n'hésitez pas à sortir un double album. Vous êtes vous des cinglés. Vous vous rendez compte? Passion Fodder, vous êtes des cinglés? Non, nous ne sommes pas cinglés, nous sommes assez portés sur la musique, si bien je puisse m'exprimer ainsi. Oui. Alors parle-nous de ça. Parce que toi, tu connais bien la planète, Theo Hakola. La planète, tu connais un peu. Oui. Hein? Alors, parle-nous de la France par rapport à la planète. On parle de musique un peu, parce que Tam Tam, c'est un peu une émission de musique, beaucoup même. Oui. Je voudrais que tu me parles de musique. Autrement dit, que je ne parle pas de la politique. Non, musique. On est là pour la musique à cette heure-là. Moi, je suis bon. Alain est un peu plus bon, mais c'est normal parce qu'il est plus jeune que moi. Autrement, oui, on est là pour la musique. On est là parce que, pas pour le plaisir, pas pour faire semblant de jouer quand on sait parfaitement jouer ce qu'on a à faire. Ça éclate d'être un peu distrait. Vous étiez un peu distrait. On n'est pas distrait là. On a peut-être relâché un peu. Oui, parce qu'on préfère faire des concerts. Et aussi, on est là pour vendre un disque. Oui. Alors, il y a une chose que j'aime bien 15 aussi. 15 morceaux, vous voyez. Il n'y a même pas de vidéo, vous ne le connaissez pas, peut-être parce qu'il n'y a pas de vidéo. C'est un double album, et en plus, tu as eu la très bonne idée, et je sais que c'est un complice à toi, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, c'est que la pochette a été dessinée par un peintre que personnellement j'adore, qui s'appelle Ricardo Mosner. C'est juste. Donc, musique, peinture, même combat pour Theo Hakola. Oui, mais la musique prime beaucoup plus. Je dirais que la musique prime davantage mes textes. Oui. Et je tiens beaucoup à mes textes. Qu'est-ce que tu nous racontes en anglais, Théo? Parce qu'on ne comprend pas tous l'anglais. Should I speak English? I would like to hear what they're saying. Yeah, no, speak in French, please. Mais ils crient beaucoup et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils articulent assez mal. Alors toi, quand tu chantes, qu'est-ce que tu nous dis, Théo Hakola? Je parle de Paname, la ville de mes rêves. C'est pourquoi un mensonge. Pourquoi tu as appelé ce double album Fat Tuesday? Bon, évidemment, c'est pour jouer avec l'histoire de Mardi Gras. Oui. Et quoi d'autre? Non, il y a un morceau dans l'album même qui s'appelle Mardi Gras. Oui. Il a des yeux bleus d'enfer, le Maneval. Oui, on se calme, on se calme. Reparle de Fat Tuesday, ce double album. Mais j'ai du mal à te regarder dans les yeux. Ne me regarde pas, regarde le public de Tam Tam. Je parle alors de 15 titres. Le titre n'est pas très important. Ce qui est important, c'est les quantités de musique qui est dans les disques. Et c'est pour ça qu'on est là pour voir cette jeunesse formidable des futurs jeunes giscardiens, non? Bon, j'ai rien dit. Des futurs, l'avenir culturel de la France qui est là pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors vous pouvez voir... qu'est-ce que vous pouvez voir? On peut voir un partenaire particulier qui arrive sur scène. Ah oui!